Salut à toi, c'est Sylvain, bienvenue sur RénoWatch. Aujourd'hui, on va voir comment monter des piliers en pierre pour maintenir un linteau en béton. Donc, je te présente ça, comment ça va se passer. Regarde. Ici, on va monter un pilier. Là, il y aura un linteau. Et là, il y aura un pilier. Mais avant ça, il va falloir faire toute l'ossature en pierre pour ensuite couler le béton à l'intérieur. Le béton et la ferraille. Donc c'est parti, on commence. J'ai implanté mon angle, voilà, par rapport à mon alignement de mur. Et là, je vais poser mes pierres ici devant. Et ensuite, à l'intérieur, on coulera le béton. Jour 1 terminé, on est au jour 2 et maintenant on va pouvoir continuer, ça c'est sûr. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier, je vais vous expliquer, je vais t'expliquer tout ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. Je suis un peu rouge, le temps est bleu, plutôt pas mal. Hier c'était le déluge, donc j'ai dû m'arrêter parce que sinon ça se serait cassé la gueule. Allez, je te montre ça. Donc voilà, j'ai placé mes ferrailles ici pour mon seuil. Voilà. Là, j'avais mes premières ferrailles en perpendiculaire qui remontent. C'est la même ici, ici, pour que tout se tienne. Alors vous allez me dire, c'est mouillé, il fait beau. Non, je viens de laver, c'est pour ça. J'ai enlevé toute la terre, en fait, qu'il y avait en trop sur les pierres pour bien que le béton il adhère et qu'on pose bien les autres pierres collées aux autres. Donc j'ai mis ma ferraille du fer de 6, ça suffit largement. Je l'avais serré un peu plus haut, donc j'en ai mis 3. C'est juste pour que ça se tienne, hein. Une fois que c'est pris dans le béton, après, ça ne bougera plus. Et puis là, voilà, je vais monter jusqu'en haut. Bon, à mon avis, aujourd'hui, je prends un peu de recul. Je vais m'arrêter à cette pierre-là, là. Ça fera un mètre, un bon mètre. Et de toute façon, cette pierre-là, faut que je la coupe pour mettre mon autre ferraille ici qui tient. Comme sur l'autre côté. Voilà, on voit un peu mieux, il y a plus de soleil. On voit mon ombre, c'est pas cool. Voilà. Mon autre ferraille, mes deux ferrailles qui sont là et qu'on va monter jusqu'en haut pour ensuite faire le linteau ici. Pas de l'autre côté, hein, ici. Voilà. Donc, je vais voir si je mets à tourner. Sinon, je te réexplique après. Tout de suite. Next to ride out.
Jour 3. Bon, j'ai un peu avancé hier. Et maintenant, on va attaquer l'autre côté où je vais mettre à filmer tranquille. J'ai bâché. J'ai mis les tréteaux. Là, là. Et j'ai bâché, mais pourquoi? Mais parce que en fait, je vais tout balayer la terre qu'il y a entre les pierres. Tout gratter, et comme ça, ça tombe pas sur mon béton existant. Et le si peu qui tombe, bah, je mettrai un coup d'eau. Et ça sera bon, quoi. Donc, bah, je pose ça. Suite à un petit souci de vidéo, de batterie déjà, puis après j'ai perdu les fichiers, j'ai pas pu te filmer la fin des poteaux montés en pierre sèche. Donc je te montre précisément ce que ça donne à la fin, et je te mets aussi le lien ici ou là, je sais pas comment ça fait s'afficher, ou dans la description de l'autre vidéo où je montre comment je fais le linteau en haut. Voilà. Donc je t'explique ça. Ici voilà le poteau fini. Donc pour l'instant on voit bien la démarcation, hein. Mais ensuite ça se verra plus. Donc là le linteau qui est fini, habillé. Et là l'autre poteau. Voilà. Entre temps j'ai mis le portail. Donc voilà ce que ça donne. Je prends un petit peu de recul pour te montrer ce que ça donne sur le côté. Voilà. Donc si t'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite surtout pas, tu cliques en dessous sur la petite cloche t'abonner et sur la petite cloche surtout pour être averti de toutes les publications de vidéos que je vais mettre. Voilà, si t'aimes ce que je fais, bah tu partages la vidéo, c'est chouette. Et puis bah, moi ça me permet d'être référencé un peu plus. On atteint bientôt les 1000 abonnés, donc j'espère franchement que tu vas partager, ça serait super sympa pour moi. Et pour aider le maximum de personnes à faire leurs travaux. Allez, à plus tard sur Rénovatch. Ciao, ciao!